Allez, bonjour à toutes et à tous, c'est Stellandron pour le 22e épisode de mon Let's Play sur le jeu XCOM Enemy Within. Et nous sommes toujours en très grosse galère, pardon. Parce que évidemment, je peux pas tirer, je suis encore très très mal placé. Se poser par là. Évidemment, je peux pas lancer la grenade, c'est trop loin. Donc je suis vraiment en mauvaise position. Parce que je me fais attaquer de toutes parts. Et j'ai vraiment rien comme visée. Là par contre je tais. Aïe boum. Ça c'est bon. Rien. Attendez deux secondes. Excusez-moi. Alors. Peut-être pas te mettre là, toi. C'est un truc à se faire tirer dessus. Alors soit, peut-être soigner cette personne-là. Qui a pris 7. Voilà. Toi, tu te mets en vigilance parce que là, ça va bouger. Ça va bouger sévère. Ok. Reste quand même un cyberdisque. Que je ne vois pas. Je serais pas barré quand même. On va envoyer notre gros machin. Hey, il n'y a plus de cyberdisque. Hein. C'est bizarre. Ok, on va remonter là-haut. Ça m'embête qu'il soit plus là quand même. Ça m'embête vraiment. Ok, donc là il y a mon sniper qui fait un joli petit réflexe. Allez! Super bien. Donc on va s'installer par là. On va faire un petit tour de vigilance. Toc, on va installer nos unités. Par contre tu vas revenir en courant. Tout de suite. Toc. Et on ouvre au prochain tour. Je vais en route. Allez, on est prêt. Ok, je crois que le cyberdisque est juste de l'autre côté. C'est genre très fortement probable. Alors faut que je prenne les gens qui peuvent avancer. D'accord. Toc. Je suis en route. Alors on avance doucement. J'y vais. Pas abusé non plus. Reste en vigilance. Faut rester concentré. Je vais vers la position. Oh la vache, on n'a pas fini. Hein. Ok. Il est là. Et on l'a touché. C'est déjà ça. Yes, allez. Tu me touches. Non. Merde. L'ennemi respire encore. Yes.
Oh. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? J'ai vraiment super peur. Toc, mon fusil de précision, il est bien placé. Ok, là il le voit, 60%. Tu vas essayer. Oh là là. Comment ça, ils essaient de se replier? Ah, toi par contre, tu le vois pas. Bon. Ok. Là par contre, j'ai pas de couverture. On va te mettre là parce que sinon t'as pas de couverture du tout. Toi aussi. Tu vas recharger. Ok, il m'énerve ce cyberdisque. Il m'énerve beaucoup. Toc, voilà. Alors, fusil de précision. Ok. Donc on a deux furtifs. C'est quoi le dernier truc? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que je vois. J'espérais avoir tort, mais les extraterrestres font bel et bien des expériences sur leurs victimes. Ça ne fait plus aucun doute. Qu'est-ce qu'ils essaient d'accomplir? J'en sais rien. Ce que je veux, c'est que tu me rendes la main. Alors, du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose. On va essayer de se rester... De rester groupé. On va diviser pour mieux régner. Donc deux groupes. J'y vais tout de suite. Ah zut, c'était pas toi que j'avais. Ah. Ok, vigilance. On reste de façon à avoir un tir réflexe sur les deux groupes. Allez, on va essayer. On va essayer comme ça. Ah, il m'est resté lui en fait. Qu'est-ce que tu nous fais? Ok. Il y en a plein qui ont raté leur coup quand même. Hé hé, ça c'est pas mal. Et pourquoi t'as tiré là? J'avais sélectionné le cyberdisque. Du coup j'ai plus de couverture. Oh mais ça c'est pas croyable quoi. Incroyable. Par contre ça c'est génial. 7 seulement. T'aurais pas pu me faire un joli petit coup critique? Dommage. Allez en vigilance parce qu'il reste quand même un... Un deuxième petit poulpe en liberté. Ah non, mais cassez pas mes tirs réflexes non plus. Hein. Un PV. Un PV quoi. Non mais t'es sérieux, là t'as caché ton tir réflexe. Et si on a Monsieur Paul le poulpe qui arrive, pff. Qu'est-ce qu'il nous trafique? Est-ce que tu le vois? Oui, 80%. Allez, tu me le finis. Nickel. Allez, tous en vigilance, en attendant que le dernier poulpe arrive. On chargera après. Voilà.
Ah c'est bon, vous énervez pas trop non plus. Du coup pour ce tour là, rechargement, normalement on est à peu près tranquille, donc on va pouvoir recharger sans problème. Voilà, ça y est, un tour de rechargement, c'était mérité. Bon, par contre, c'est fort possible qu'on ait d'autres bestioles de l'autre côté. Donc on va descendre doucement. On va envoyer notre Kubiak. Là, dans les cellules au-dessus, là, mes petites alcôves, c'est à peu près sûr qu'on va avoir du monde. Donc, toi, tu restes là-haut, t'es très bien là-haut. T'arrives à voir un peu tout le monde. Toc. On va rester groupé. Voilà. Pas facile cette mission. Hein. Déjà. Des grosses bestioles qui font vraiment bobo. On va avancer. Ok, deux drones. Ça va, ça reste des drones. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien stocker dans ces réservoirs? Excusez-moi. Bref, alors. Non. T'es à 69% de précision quand même. En plus toi tu vois rien. Reste en vigilance. On va avancer. Hein. Il n'y a que deux drones. 60%. Allez, tu me fais. Nickel. T'es contente, hein. Du coup, fais-nous une petite fusillade. Normalement tu devrais pouvoir l'avoir. Quoi? Bon tu restes en vigilance alors. Incroyable. La fusillade elle te permet d'aller où? Ici? Bah, t'as peut-être un peu plus de chance de le voir. Allez vas-y. Quoi? Ils sont sérieux? Par contre j'ai plus trop de roquettes, on va essayer d'économiser parce que j'ai tiré une roquette pour rien. Allez vous êtes deux. Non. Allez. Oh la vache. Ok lui il s'est tiré. Sauf qu'on le voit encore. Ce qui est un peu dommage pour lui. Alors. Alors ça sent le traquenard. Bon alors notre sniper on va le descendre parce qu'il sert plus à rien. On va se rejoindre en bas. Alors par contre, est-ce qu'on peut remonter tout droit? Il va falloir remonter. Non, il va falloir remonter. Bien, chef. Tu vas te mettre là. Ça, t'es sous couverture. Alors, il y a de fortes chances pour que ça bouge. Ça n'a pas trop bougé. Vous allez avancer. Je suis en route. Voilà. Je me remue. Toc. Je bouge. Et au prochain tour, on va pouvoir commencer à avancer. Vous, vous bougez pas. Y a quelque chose là-bas.
Ouais, je sais qu'il y a quelque chose là-bas. Ouais, non, on va attendre encore 2 tours. Avant de déclencher les hostilités. On va même recharger un coup. Alors, mon gros Kubiak. Toc. Et... Tout de suite. Le sniper. Donc là, on va faire avancer tout ce beau monde. Je bouge. Y'a rien ? Muton. Je m'attendais plutôt à un gros paquet de personnes. D'accord. On va se caler devant la porte du coup. Je vais essayer de me remettre de façon un petit peu plus visible. On va se caler gentiment devant la porte du coup. Est-ce qu'on arrive au bout de la... De la salle, enfin de la salle oui, mais de... Du niveau je crois pas là, je crois qu'on est à peine à la moitié. Ok, il y a quelque chose derrière la porte, on le sait. On est où? Ah oui si, on arrive quand même à la salle finale. On n'est pas si loin que ça. Enfin, on n'y est pas encore. Allez, on va se foutre devant la porte. Oui, commandant. Allez, go. On y va. Toc, comme ça on sera prêt à ouvrir. Et s'il y a quoi que ce soit, on tire. Hop, aux aliens. Allez, ouvre-nous cette porte. D'accord, bon, c'est juste un sas. Génial. Position confirmée. C'était juste un sas, mais on va se mettre en position. C'est-à-dire, on va avancer un peu. Je vais vers la position. Voilà. Je suis en route. Là, on est bien. Je rejoins la position. Ok, on est bien. Et au tour prochain, on va pouvoir commencer à rentrer dans la grande salle. Oh mon dieu. Ah non, j'aime pas ce genre de truc, c'est un petit... Un goulot d'étranglement, là, comme ça. En plus, on voit rien. Du coup, on va se mettre le long des parois, là. Voilà. On va pas faire les marioles. Ok. Mon gros Kubiak. C'est parti. Ok, d'accord. Ça par contre c'est pas très drôle. C'est vraiment pas très drôle. Oh oui si, en fait ça se fait. Non,
lance-flamme. Et eau. Voilà. J'aime bien. Je mets le feu. Allez hop, deux spécialistes en combat rapproché. Allez. On ne s'approche pas de moi. Un deuxième qui panique. C'est très très bien. Fusil de pression laser. Tu nous fais un joli petit one shot. Voilà, tu vois, il suffit de demander. Il y a un petit drone là-bas. Toi, on va te finir. Non, on est super bon là. Alors, par contre, tu vois pas le drone, c'est très bizarre. Le drone est invisible. Allez, on est rentré dans cette salle. Ah oui, il y en a deux en fait. Ouais, d'accord, raté, tu m'étonnes. T'es quand même vachement loin et t'as juste un fusil à pompe. Donc pour la précision, on repassera. Hein. Ouh. Alien neutralisé. Oula. Gros bug. Bon, et ben ça a bien et bien planté, et du coup on se retrouve là. Et ben ouais, ça m'embête parce que j'avais été vraiment... J'avais vraiment bien géré pour le coup. Du coup ça m'embête un petit peu. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, on va refaire ça dans le prochain épisode parce que là, ça fait plus d'une minute. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, etc. etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !